Le check from the juice. Et voilà, un homme heureux. Allez, salut à tous, on se retrouve au bord de l'eau et aujourd'hui, pêche en mer. Pêche en mer avec mon collègue de boulot Antoine, jeune pêcheur en eau douce, à qui je viens faire découvrir la pêche en mer et en particulier la pêche du bar. Donc voilà, on va essayer de faire du poisson. Et puis on va essayer de taper les bordures de Cayola, on est sur la marée descendante, donc c'est plutôt sympa, voir si ça peut être efficace, et puis on se retrouve au bord de l'eau. Allez, c'est parti. Tu veux descendre en premier ou tu veux que je t'ouvre la marche? Tu suis le local de l'étape. Alors quand c'est gras l'hiver, c'est assez casse-gueule quand même, hein. tu vas comprendre pourquoi. Et là que c'est plage, j'en rappelle quand même. Tu vois, faut être un peu en rappel. Mais ouais, c'est un côté sympa quand même. Tu t'es pas dit ce matin, tiens, je vais faire de la descente en rappel avec une canne dans la main. Bah mets un leurre au bout quand même, parce que là, on n'est pas venu là pour rigoler. Ah, tu tires dans l'axe et tu ramènes tout le long là, tu vois, il y a les entre les roches là, vraiment à tu vois ce que je veux dire, tu vois toute cette axe là, je vois. Donc tu tires le plus loin possible et puis tu le ramènes gentiment dans les trucs pour essayer de faire un fish en linéaire, ouais, linéaire classique. Ah, c'est bien ça. Tu essaieras de tirer un poil plus sur ta gauche. Parce que la zone où tu passes, il y a quand même pas mal de roches. Moi, je vais essayer de tirer par là-bas. Il y a une petite veine d'eau là-bas qui est intéressante. Je crois que j'ai pris une tape. Eh ben t'es pas capot. Okay. C'est bien ça mon copain. Nice. Premier. C'est bien, je t'ai pas raconté de conneries. Ah, tu peux y insister, je pense, il va y en avoir d'autres, mais j'ai pris des tapes sur la bordure là. C'est bon ça mec. Allez, ça me fait mal. Mais t'as le bon leurre. Après tu peux essayer de taper vraiment dans l'angle de la petite roche qui dépasse ici là. Voilà. Ouais, et puis ramener ici en linéaire. Parfois ils viennent chasser dans le rebout là. Tu vois, ça vient claquer contre la roche. C'est une zone qui est intéressante. C'est là où j'étais en train d'essayer de tirer, mais tu peux peigner un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. C'est bien mec. Pas mal. Ton premier bar alors. Le premier sorti de l'eau. Alors c'est beau, bravo. Gère ton frein, pas la canne en arrière. Tranquille. Attends la vague pour le faire repasser par-dessus. Ouais, c'est bien. Bravo. Ramène-le là, voilà. Tracte-le, c'est bien. Tu le fatigues, tu le maintiens. Oh, il n'y a pas besoin normalement. C'est bien ça mon lapin, c'est bien. Ton frein est pas trop serré. Ah, oh, très joli. Tu peux le mettre dans l'épuisette si tu veux. Ouais. Je te laisse pas embarquer là-bas. Ah, c'est beau ça mon kiki. Yes. Attends, il est pas encore dedans. Putain, ça la gouache. Ah ben c'est pas un poisson de rivière, hein. Je t'avais prévenu. Allez, ramène-le et puis sors-le rapidos. Attends, je file un coup de main. Attends, bouge pas. Elle est coincée, c'est quoi le truc? C'est un nœud à la con. Ouais, super. Attends, c'est vraiment la merde du tout. Ouais. Allez, ramène-moi ça là. Allez, rapproche. Yes. Oh putain. Yes. Ah, joli. Ah, c'est bon ça. Ah, mais voilà, t'es dépusté maintenant. Putain, c'est la merde. Tu l'as ou pas? Tu
C'est là le bonheur ou pas? Putain là mon gars, le soleil. Allez, viens te mettre au sec. Putain, la cartouche qu'il a mis, qu'il m'a mis mon gars. Eh ouais. Gros sur le... Ah mais... Je suis refait. C'est ça mon Antoine. Ah je suis refait mon gars. Mais oui, tu m'étonnes. Alors, c'est bien la pêche en mer? Putain, mais là. Celui-là, il fait plaisir à son homme. Putain, je te le dis. Tu peux mettre la main dedans. Il est bien piqué sur la mâchoire en plus en haut, ouais. Donc c'est top. Yes, décroche-moi ça. Putain. Alors, attends, ça donne quoi? Ah, c'est mignon ça, les copains. Un petit 43, putain, 45. Celui-là, il fait plaisir. T'as le smile ou pas? Là, mon gars, je suis refait. Oh putain, quel. Putain, c'est des poissons magnifiques, quoi. Mon gars, le check plein de mucus. Ça, je m'en branle. Oh, yes. Moi, ce qui compte, c'est que t'es fait tes poissons. Ça va, c'est rentable comme matinée. Un petit kiki, un gros poisson, ça va? Là, je suis refait. Ah, bah tu vois. Et sur cette canne là. Ah, ça, je t'avais dit, la finesse, mon c'est Dieu, le bonheur. Mon Dieu. C'est ça qui est fond. Ah oui. Je pensais que c'était une albe, tu vois. Ah. Genre, je sortais un gros poisson. Et là. Ah, non, c'est pas une albe. Ah. C'est cool, c'est intéressant à pêcher parce que c'est technique. T'es obligé d'attendre la vague, ouais, pour le ramener, ouais, et tout. C'est pas comme en rivière. T'as plus de paramètres à prendre en compte, c'est ça. Si tu veux, c'est si ça. Tu veux sortir. Ça va, mon Tom, c'était bien. C'était bien. Ah, tu m'étonnes. J'aimerais rien qu'avec le petit, j'étais content. Bah oui, mais. Alors, le gros après. Forcément, c'est encore mieux avec le gros, quoi. C'est encore mieux avec le gros. Bah oui. Petit bonus. Voilà, les amis, c'est fini, on se quitte là-dessus. Le gars Antoine a fait son poisson. Refait au max. Il est refait, je crois, c'est bon. Comme d'habitude, je vous remercie tous du soutien que vous accordez à cette petite chaîne. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.